Salut à tous. Alors ça y est, on a quelques infos supplémentaires sur la nouvelle Volkswagen ID Neo qui est renommée en ID 3 du coup. Ce qui fait un peu penser à la modèle 3 hein, de Tesla, on va pas se mentir. Alors ne vous occupez pas du coloris, hein, ce sera pas ça le coloris, je vous rassure, parce que c'est vrai que là c'est du camouflage. C'est clairement pour pas nous montrer le design définitif de la voiture. Même si là, bon, on a quand même un bel aperçu, hein, je pense. Elle est plutôt jolie. Donc la série de lancement, donc, elle fera 58 kWh la batterie pour une autonomie de 420 km. La recharge en DC sera de 125 kW maximum. Ce qui est quand même bien, hein. 125 kW, ça commence à pousser fort. Alors, limitée à 30 000 exemplaires, cette édition spéciale intégrera des équipements spécifiques déclinés en 4 coloris. Elle proposera coloris biton, dispositif d'affichage tête haute à réalité augmentée. Et toi, panoramique. Bon, l'affichage tête haute, bon, c'est pas non plus une révolution. Je vais sur le Kona, je l'utilise jamais. Donc, c'est pas ça qui me fera acheter de la voiture, hein, par exemple. Alors, Discord, merci. Hop. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que via son application WeCharge, Volkswagen offrira également au premier client de l'ID3 jusqu'à 2000 kWh de charge gratuite, qui permettra à tous les clients d'accéder sans frais au réseau de charge Unity ou aux bornes référencées par l'application WeCharge du constructeur. Ça, c'est pas mal du tout, ça, par contre, hein. Alors, 2000 kWh divisé par 58, ça nous donne 34 pleins de batterie, quoi. 34 pleins de batterie, on va multiplier par 420, ce qui fait... Ah, ça fait 14 500 km, quasiment, d'électricité gratuite. C'est quand même pas rien, hein. Franchement, c'est une bonne offre, ça, pour le coup. Un peu plus compacte qu'une Golf, la Volkswagen ID.3 mesure 4,10 m de long, 1,80 m de largeur et 1,53 m de large. De haut, hein, plutôt, parce que il y a deux fois large, du coup, ils sont un peu plantés là sur l'article. Donc, ouais, elle est un peu plus petite qu'un Kona, finalement. Pas de beaucoup, mais un peu plus. Par contre, à l'intérieur, elle sera peut-être plus spacieuse du coup. Ils mettent aussi spacieuse qu'une voiture de taille moyenne. Donc peut-être que niveau espace intérieur, ils ont fait des efforts par rapport à Hyundai. Alors, moins de 40 000 euros pour le prix, même si on n'a pas plus de détails. Il faudra débourser 1 000 euros pour la réserver, cette voiture. À noter qu'on pourra faire ça en France que demain donc. En termes de prix, constructeur promet un tarif inférieur à 40 000 euros. Donc hors bonus, j'imagine. Ça mettrait la voiture à 30, 33 000, 34 000. Ça dépend, je pense que de. Bah, à mon avis, 34 000, ce sera la version de lancement la moins dotée, de toute façon, donc c'est quasi sûr. Celle avec l'affichage tête haute, plutôt panoramique et tout, je pense qu'elle sera plus chère. Hein. Ça paraît logique. Alors, les clients ayant pré-réservé une ID.3 pourront commander leur voiture après le lancement officiel de l'ID.3, d'accord, prévu en septembre prochain. Un événement qui sera l'occasion pour le constructeur de lever le voile sur l'intégralité des performances du modèle, notamment sur la partie motorisation. Ouais, c'est vrai qu'on a encore très peu d'infos là pour l'instant. Bon, après, on a quand même l'autonomie, le kilowattheure des batteries, c'est quand même pas mal. Alors, outre ces versions 58 kWh, des packs 45 et 77 sont également annoncés. Elles arriveront toutefois que plus tard, annoncées à moins de 30 000 euros, la version 45 kWh ne devrait arriver que l'été prochain, donc 2020, pas été 2019. Pour 2020, le constructeur ambitionne de livrer 100 000 exemplaires de son ID.3, un objectif qui ira ensuite crescendo, la marque visant un objectif de 10 millions de véhicules au cours des 10 prochaines années. Ouais, bah dans le monde, 100 000, oui, ça me paraît pas déconnant comme objectif. Après, moi, ce que je vois, c'est que l'autonomie est bonne, c'est vrai pour la 58 kWh. Mais au final, elle n'est pas plus efficiente qu'un Kona ou un Iniro, parce que finalement, ils ont 450 km d'autonomie, ils ont 30 de plus de WLTP, ils ont 6 kWh de plus de batterie. Donc c'est kiff-kiff, un hein. Niveau efficience, pour moi, elle les battra pas. Après, niveau prix, si effectivement la 58 kWh est à 34 000 euros bonus déduit, c'est pas mal. Même si le Kia e-Soul, on le trouvera dans ces eaux-là aussi, et il aura plus d'autonomie. Donc finalement, cette voiture n'est pas si bien placée niveau tarif. Hein. Moi, je m'attendais à un poil mieux, à un peu plus d'efforts de la part de Volkswagen,
qui avait déjà annoncé perdre 3000 dollars par voiture, du coup, donc voilà. Bon, bah, après, la 45 kWh, je pense pas qu'elle intéresse grand monde, honnêtement, surtout là, elle sortira en 2020, donc je suis pas sûr que tout le monde se jette dessus, quoi. Il y a qu'à voir la standard range Tesla qui a été annulée au profit de la standard range plus, qui aura quand même plus d'autonomie. Donc bon, je ne sais pas. C'est à voir. En tout cas, dites-moi vous si elle vous intéresse cette voiture. Moi, si je n'avais pas le Kona, peut-être qu'elle pourrait m'intéresser. C'est vrai que l'offre des 2000 kWh gratuits de charge gratuite est pas mal, quoi. C'est pas mal du tout. Après, je sais pas si c'est limité dans le temps ou si c'est vraiment 2000 kWh sur plusieurs années. Mais en tout cas, c'est bien de l'avoir. C'est clairement un petit avantage certain. Bon, c'est dommage, hein, ces photos là avec le camouflage rouge et bleu. Ça la rend très moche, la voiture. Bon, ouais, sinon, oui, c'est une petite compacte sympa. Elle est plutôt jolie, quoi. Elle est plutôt mignonne, cette ID3, anciennement ID Neo. Donc voilà. À voir hein, le tarif officiel qui sera communiqué, je pense, plus tard. On verra bien. En tout cas, bon, c'est peut-être pas la révolution qu'on attendait tous, cette Volkswagen. Même si c'est sûr qu'elle sort très bien placée, surtout en termes de recharge à 125 kW aussi de vitesse max. C'est pas mal hein, sur Unity quand même, ça va envoyer du lourd. Mais bon, voilà. Niveau prix, je pense qu'elle sera dans les eaux du Kia e-Soul. Donc au final, c'est pas un prix révolutionnaire. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense. Bonne voiture, après, pas la révolution, quoi. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao!